Je viens de me lever. C'est le vendredi saint. Dès mon réveil, j'ai essayé de regarder Jésus sur la croix. J'avais pas le goût de parler ni de chanter comme je fais les autres matins. C'est le vendredi saint. Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu as créé le ciel et la terre. Pourquoi tu t'es laissé faire? Ils t'accusaient faussement. Ils t'ont fait mal. Ils sont même allés jusqu'à cracher sur toi, le Fils du Dieu vivant. Alors pourquoi tu t'es laissé faire? Jésus n'a pas répondu, mais dans mon cœur, je me suis souvenu d'une histoire vécue et la réponse de Jésus, elle était cachée dans mon histoire. Je te la raconte. Une maman avait un fils. Le papa était parti. L'adolescent, c'est curieux, il n'aimait pas sa maman. Pourtant, elle était bonne avec lui. Elle essayait de lui parler du bon Dieu et elle priait pour son enfant. À 18 ans, il se retrouve en prison. Chaque jour, sa maman allait le visiter. Mais il continuait à ne pas être gentil. Et surtout, il l'avait bien averti. Quand tu viens, je ne veux pas que tu me parles de ton bon Dieu. Alors elle ne disait rien. Mais avec douceur, elle s'informait s'il avait besoin de quelque chose. C'était au temps où le sida n'était pas encore contrôlé. Au sortir de la prison, son fils attrape le sida. Et la maladie gagne vite du terrain. Il fut hospitalisé. Chaque jour, sa maman allait le visiter. Elle restait près de son lit, prête à le servir. Sa mort approchait. Et il ne voulait pas que sa mère soit présente lors de son dernier soupir. Mais son ami était là. Et il lui dit, « Mon heure est venue. J'en ai pas pour longtemps. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Mais tu sais, s'il existe, un bon Dieu. Je veux que ce soit le bon Dieu de ma mère. » Comme c'est beau, hein? Eh bien, c'est l'amour de la maman qui a sauvé son gars. Jésus est tout-puissant en amour. Alors pourquoi se laisse-t-il crucifier et pourquoi meurt-il sur la croix? C'est pour nous dire que le bon Dieu que nous ne voyons pas encore et dont nous avons peur et que nous verrons bientôt, il n'est qu'amour. Il ressemble à cet moment, mais en beaucoup, beaucoup plus. Il n'est qu'amour. Et le seul moyen d'enlever notre peur de Dieu est de nous donner le goût de prendre sa main d'amitié qu'il nous offre, c'est de se laisser crucifier. C'est d'aller
au bout de l'amour. Et ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que même lorsque nous, les êtres humains, nous ne l'aimons pas, lui, il continue à nous aimer. Et son amour guérit, transforme. Voilà ce qui me donne une grande espérance. Voilà, c'est Vendredi Saint. 5 minutes de silence. Et pense à ce que je viens de te raconter.